Alors justement, Antoine, finalement, avec le recul de bientôt un an, est-ce que tu peux définir, identifier les bonnes pratiques que tu as détectées et que tu entends faire perdurer, que cette période particulière a révélées et qui te paraissent utiles, voire maintenant indispensables au dialogue social? Ben, on en a déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'il y a la première idée, c'est d'entretenir et de cultiver cette agilité. La période qu'on a traversée nous a obligés à être agiles, un peu contraints et forcés. Elle a également modifié en profondeur le recours à certains outils, bien évidemment de notre côté, mais pas simplement de notre côté. Ça a également bouleversé les choses du côté des organisations syndicales. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a énormément de groupes WhatsApp qui se sont constitués pendant cette période, et ce qui permet de faire des prises de température quasiment en temps réel pendant une négo. Et ça, c'est assez nouveau, c'est-à-dire que quand on était dans une salle de réunion, c'est moins évident, quand on était en discussion, de sortir son téléphone, de poster des messages, parce que voilà. Alors que quand on est en visio, on peut couper sa caméra, on peut. Alors, nous en négo, pour le coup, on n'a pas cette difficulté-là et ils maintiennent bien la caméra ouverte, sauf évidemment problème de connexion. On n'en voudra pas à Jacques d'ailleurs pour ça, de ce petit problème de connexion. Mais néanmoins, voilà, la caméra est ouverte, ça permet de se voir et ça facilite quand même grandement les choses. Mais en tout cas, l'usage de ces groupes WhatsApp, par exemple, est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça modifie parfois leurs réactions et que ça peut générer des réactions qui sont inattendues. Ou alors, quand on fait du off avec eux, ils ont cette prise de température et voilà, et du coup, ils sont pas toujours très à l'aise parce que il peut y avoir une pression un peu plus forte de la base qui remonte des désaccords, qui remonte des ou qui manifeste des revendications particulières, etc. Donc c'est un outil, je pense, qui à terme risque de changer un peu la donne dans la négociation. Le off, évidemment, on en parlait, c'est essentiel, surtout quand on négocie comme ça à distance, y compris quand on a mis en place tous les CSE pour la reprise de l'activité, quand on a redémarré sur les sites. Et nous, on avait redémarré très très tôt, puisqu'on avait redémarré mi-avril, après 4 semaines de fermeture. Et on avait évidemment mis en place des CSE exceptionnels pour présenter les mesures de redémarrage, etc. Et tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de off en amont, s'il n'y a pas de off après. Donc le off est devenu presque quelque chose de constant, de permanent, et c'est un outil du dialogue social au même titre que les temps officiels de réunion, de négociation avec les élus ou avec les représentants syndicaux. Et puis évidemment, dans les bonnes pratiques, la qualité du matériel, c'est essentiel. Jacques le disait également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on n'a pas les bons outils, on ne peut pas avoir un bon artisan, c'est la même chose en matière de négociation, si on ne peut pas se connecter correctement. Et on a eu ces difficultés sur certains sites où certains n'arrivaient pas à se connecter correctement. Et c'est vrai que ça perturbe considérablement du coup le bon déroulé d'une négociation. Donc c'est le prérequis, c'est avoir du bon matériel qui fonctionne pour pouvoir se connecter et se parler plus facilement. Je remarque Antoine qu'autrefois on faisait des accords de dialogue social pour équiper les syndicalistes. Maintenant, la question ne s'est pas posée. C'est directement du matériel top tout de suite. On n'en parle plus, Ouais. d'accord? Ah ben non, non mais c'est sûr. Et de même que l'utilisation de ces nouveaux outils, je pense que cette période-là, elle a accéléré considérablement les choses. Et rien ne sera plus comme avant de ce point de vue-là. Il faut en être conscient. Oui, bien sûr. Jean-François, pareil pour toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu retiens chez Decathlon et que tu vas faire perdurer? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur les réunions en visio, notamment ces réunions de CSEC, la dizaine de réunions qu'on a eues. C'est amusant ce que vient de dire Antoine, parce que j'ai vu que seulement un ou deux délégués syndicaux durs coupaient leur caméra. Donc, ça, c'est amusant parce que toutes les autres étaient activées. Donc, quelque part, c'est un moyen de voir dans quel état d'esprit peut être la personne. J'active ou j'active pas ma caméra. Malgré tout, même si moi je suis très contente, comme je vous l'ai dit, de cette multiplication des réunions, l'inconvénient qu'on a parfois déjà en présentiel, à savoir la non-participation de certaines personnes, elle est encore beaucoup plus forte quand on est en visio. Donc, si on devait chronométrer la prise de parole
de chacun, on se rendrait compte que les trois représentants syndicaux sur les 30, à eux seuls, prennent 90% du temps de parole. Et donc, inévitablement, il faut compenser d'une façon ou d'une autre. Donc, la bonne pratique que je préconise, c'est de faire du off, comme vient de le dire Antoine. On en faisait déjà avant, mais le off, il était en présentiel, un peu par téléphone, un peu par SMS. Mais cette facilité qu'on a de faire des visios maintenant, ben, il faut l'utiliser, il faut les multiplier. Mais pour ça, proposer des visios sans ordre du jour particulier, c'est-à-dire simplement en one-to-one à certains de nos partenaires sociaux qui interviennent moins facilement, c'est-à-dire, bah, tiens, j'aimerais pouvoir discuter avec toi de tel ou tel sujet, ou sans sujet, comme, sans ordre du jour, simplement faire un point, peut-être se donner des rendez-vous de façon récurrente, même très courte, mais permettant de montrer notre reconnaissance vis-à-vis de la personne, de l'écouter et de faire passer cette relation sociale qui passe moins facilement en collectif. Voilà. Donc, il ne faut pas se priver. On fait un gain de temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, un gain de temps et d'organisation et d'argent énorme du fait de notre dispersion sur tout le territoire français. La visio, c'est tellement facile à utiliser qu'il ne faut pas s'en priver. Très bien. Alors, Jacques, tu partages ces éléments-ci. Est-ce qu'il y a un renforcement côté Naval Group de tout ceci? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te viennent à l'esprit? Alors oui, en grande partie, je partage énormément ce qui vient d'être dit. J'indiquerai simplement que nous, il y a une volonté, on a repris une négociation en présentiel, on a exclu toute négociation sous d'autres formes que le présentiel, parce qu'on a beaucoup souffert, comme tu le disais, 70% de l'aspect comportemental est un point essentiel. Donc on a repris toutes nos négociations en présentiel, en respectant bien sûr tous les gestes barrières, mais ça c'est un point important. Et on a trouvé un mixte entre la visio et le présentiel, notamment pour tout ce qui est commission, tout ce qui est plutôt réunion de partage et d'information. Donc on a trouvé cette équipe, ça c'est nouveau, ce qui nous permet d'optimiser notre temps de réunion avec les organismes syndicaux. Après, ce que on fait perturber, c'est les commissions un peu ad hoc, un peu les formats un peu informels, qui nous aident énormément pour faire avancer les sujets. Et puis on a aussi et c'est vrai, ça c'est un développement, on se communique beaucoup avec les moyens digitaux, ce qu'on faisait un peu moins. On fait un peu de bilatéral avec des moyens digitaux, donc notamment avec le nouvel outil qu'on utilise, nos bilatérales on les fait sous visio avec cet outil. Ça, j'entends bien ce propos et surtout le côté retour au présentiel obligatoire parce que ça ne collait plus. Mais du coup, Jacques, est-ce que c'est une occasion, finalement, tout ce qui s'est passé, est-ce que c'était une occasion de valoriser le rôle de co-construction des délégués dans un univers où, tu le disais, la défense des droits acquis rimait très fort avec défense nationale? Oui, je pense que le retour d'expérience que j'ai de cette de ce premier confinement et de la négociation qu'on a eue sur la mesure d'adaptation. Je rappelle le contexte, hein, il y avait une incertitude totale dans notre environnement sociétal. Hein, en France, on ne savait pas, on portait pas le masque, etc. Et l'entreprise était devenue le lieu le plus sûr. On arrivait à prendre des décisions, à cadrer les choses, à sécuriser. Et je crois que cette période a réhabilité l'entreprise dans la tête de beaucoup de nos collaborateurs, de nos salariés. Et les syndicats ont un rôle à jouer. Et c'est vrai que moi, j'étais assez frappé par l'absence de communication des centrales pendant cette période, où des contradictions fortes, notamment à certains syndicats, qui allaient à l'encontre de l'intérêt de la santé des salariés, il me semble. Voilà, donc j'ai trouvé que ça a permis de repositionner le dialogue social. Et c'est un enjeu fort pour notre entreprise, parce que le dialogue social a permis la continuité des activités, de prendre des mesures d'adaptation parce qu'il fallait gérer du jour au lendemain les personnes qui devaient rester à la maison. Je rappelle que pour nous, on avait 270 télétravailleurs il y a un an et demi. On est passé à 4000 pendant le confinement. Heureusement qu'on avait négocié un accord de télétravail, etc. On avait trouvé les outils. On avait travaillé en amont avec la DDSI pour développer les outils alors, qui n'étaient pas encore optimaux à l'époque. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Et puis l'autre aspect, c'est l'accord de reprise, parce que après le premier confinement, il a fallu négocier les mesures d'adaptation. Et grâce au syndicat, on a réuni toutes les conditions pour permettre la conduite des activités. Et comme tu le disais, on a des obligations, on a des missions régaliennes, notamment d'assurer la permanence de la dissuasion nucléaire, donc assurer l'entretien des sous-marins et des navires.
et les navires de la Marine nationale qui ont servi aussi à des actions sanitaires. Alors, et effectivement, on voit bien chez Decathlon, multiplication du off en visio, plus on fait de visio avec les uns les autres, en dehors des négos, mieux c'est. Chez Naval Group, on en revient du présentiel. Antoine, est-ce que les outils digitaux, chez toi aussi, chez Hermès, ont abouti à une centralisation du dialogue social ou à une modification singulière de la nature même du dialogue social, au moment où tu es en train de négocier un accord, d'ailleurs, de refondation? En fait, ces outils, ils ont été utilisés à différents niveaux. C'est-à-dire que on a par exemple une de nos grosses sociétés qui s'appelle Hermès Cellier qui a fait sa NAO par ce biais-là, en utilisant la visio, et ça s'est très bien passé. Et on a observé que il y avait effectivement, ça faisait gagner du temps, que il y avait peut-être plus d'efficacité. Mais la tentation, c'est de, moi je rejoins Jacques, je pense que la tentation, c'est de rester dans ce format-là, et je pense qu'il faudra trouver un équilibre entre les deux, entre un retour au présentiel qui, pour certains sujets, s'y prête beaucoup, beaucoup plus, garder la visio pour d'autres sujets ou d'autres instances ou d'autres types de réunions. En fait, ça devient un outil supplémentaire, mais quand on reviendra à une vie plus normale, je pense qu'il faudra rééquilibrer les choses. On aura besoin des deux, à mon sens. Entendu. Alors justement, Jean-François, puisque toi, tu as choisi, et ça marche bien visiblement avec tes représentants, de multiplier les réunions à distance, est-ce que tu saurais, dans le cadre des bonnes pratiques, discerner les ingrédients qui font la réussite de ces réunions multiples à distance, formelles ou informelles? Je ne dis pas qu'on pourra maintenir par la suite l'ensemble de ces de travail uniquement visio. Bien entendu, on va revenir à une situation qui sera sur lesquels il faudra trouver des équilibres. Je pense que les négociations, on les fera probablement en présentiel. Par contre, les groupes de travail qu'on peut multiplier me paraissent très utiles en visio. Là où justement on ne les faisait pas, ou on les faisait trop tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, là je pense qu'on pourra vraiment garder ça durablement. Pour les représentants de proximité qu'on a dans chaque magasin, évidemment la question ne se pose pas puisqu'ils sont sur place, mais pour tout ce qu'on fait en centrale, là on va vraiment trouver un équilibre, on va maintenir un équilibre entre les deux. Alors moi ce que je retiens de tout ça finalement, c'est que on est dans le dialogue social, on est dans la relation sociale, et on s'aperçoit qu'avec la crise, le confinement, on a encore plus facilité le passage de la relation sociale à la relation humaine. Et on a vérifié ce qui, pour moi, est extrêmement important, c'est-à-dire que bien souvent, pour réussir le dialogue social, la qualité de la relation interpersonnelle est supérieure au contenu et de la négociation en tant que telle. Alors, pas tout le temps, bien sûr, mais dans les moments de négociation, la relation est supérieure au contenu. Et ce qui est donc très important, c'est avec les médias différents, avec l'apport et l'irruption de la technique de manière extrêmement présente, extrêmement pesante, il est essentiel de s'interroger sur comment conserver la qualité de la relation humaine. Ça, c'est pour moi, c'est le premier point en vous entendant qui me paraît important. Et puis, ce que j'entends aussi quand même, c'est que on est beaucoup plus passé du oui-non au comment qu'on est resté au oui-non par rapport à une négociation avant. C'est-à-dire que tous les exemples que l'on retrouve chez les clients et dans les entreprises auxquelles on a accès, c'est vraiment le fait que la négociation n'a pas forcément été facilitée dans la façon dont ça se passe, mais quant au sujet, il y a un élément qui d'ailleurs pose question, combien de temps ça va durer, est-ce que c'est durable et est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire que sur le fond, les syndicats ont beaucoup moins posé leurs conditions ou de difficultés par rapport au fond même du sujet. Et c'est une question qui m'intrigue beaucoup, parce que je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose à long terme, dans la mesure où les syndicats sont censés représenter les attentes, les craintes, les malheurs, les inquiétudes du terrain. Et on a été dans des données très, très opérationnelles. Attention, pour moi, au danger majeur de tous ces outils, c'est que les syndicalistes eux-mêmes ne perdent pas le contact avec le terrain. Parce que sinon, on recrée une autre boîte noire, mais la différence, c'est qu'elle est satellisée au-dessus de la Terre. Et ça, c'est bien, bien embêtant. Et puis, le troisième point qui me paraît extrêmement important, c'est que finalement, la technique a renforcé les techniques de négociation. Vous l'avez tous dit, le off, les contacts informels, le WhatsApp et autres.
et ça renforce les possibilités d'enrichir le dialogue social sous toutes ses formes. Et ça me paraît très important.